Saran Rap prit naissance en 1999. À l'époque, il n'était que trois et était très marginal. Trouvant qu'il manquait de son et de profondeur, il engagea Will du défunt groupe Paris. Et c'est alors que les choses ont explosé pour Saran Rap, et en l'espace de 2 ans, ils ont fait plusieurs fois le tour de la belle région de Charlevoix. Ma blonde travaille au vide-moi. Puis mon chat est pris dans mon tiroir. En 2001, après un spectacle au cégep de la Malbaie, la bagarre explose au sein du groupe. Et le groupe se voit dans l'obligation de se séparer. Kevin et Michel ont tenté de reformer le groupe 2 fois. Une fois avec Jesse Barrio à la voix, et une autre fois avec un clown de taureau. Aux 2 occasions, ce fut un échec fracassant. Sam, le chanteur-guitariste du groupe à l'ego bien gonflé, décida de faire des annonces de nourriture pour chiens, des annonces contre la violence faite aux animaux, et aussi de se produire dans les bars de karaoké non branchés de la ville de Montréal. Kevin, le bassiste, et Will, l'autre guitariste, se lancèrent dans la photographie artistique. Le plus mal en point du groupe était sans contredit le batteur Michel Murray. Le batteur décida de retourner vivre en Floride en essayant de vaincre sa dépendance à l'alcool et ainsi redevenir sain. Cinq ans se sont écoulés et on pensait bien que ce serait fini, lorsque Sam déclara dans une entrevue le 3 février 2006. Ok. Je m'excuse pour mon français. Mais je suis mexicain. Mais je vais dire, c'est quoi ton nom? Moi, c'est Miguel. Merci. Mais à quel endroit est-ce que va aller Saran Rap? En fait, j'ai vu mon famille. Saran Rap? C'est pas commun quand même. Ira au festival d'été. Cool. Saran Rap ira à Toronto. Et Saran Rap ira à Moncton. Et c'est la fin. Moi mon chat a
habite dans un asile.